Yo les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle vidéo dit nouveau genre de ride. Donc aujourd'hui, direction Thomers-la-Sagne pour un roulage entre potes. Edgar Perrin, mon pote, est déjà là-bas depuis ce matin. Il m'a dit que la piste, elle était boulette. De toute façon, j'avais vu les photos, ils ont RC et tout, donc ça va être vraiment top. Donc roulage entre potes, je vais pouvoir tester et régler mes nouvelles suspensions que... Enfin, du moins, finir de régler mes suspensions que M2S Performance m'a préparé et pouvoir tester mes nouveaux cale-pieds de chez MX 711 Pegs. Donc voilà, tout est chargé, on va passer une bonne journée de roulage avec les gars et puis je pense qu'on va kiffer. Allez, je vous emmène avec moi. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming, I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming, coming in, yeah, flex, I just wanna win. Running with, yeah, 2, 2, 3, 3, I want 10 again, pump up the action. Bitch, I'm active. If he never heard of me, don't be just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body, bitch, I'm broke if you ask. Gotta send the OC out of store, this broken wrist is longer than this foreign. Heard you want it cause the end's enormous. What's an ass since he isn't gorgeous? Live my life last name of Morgan Freeman, trying to touch a forest. Then I know what I'm doing, the door is came in. I came in, did it like the Porsche's humming in. Yeah, flex, I just wanna win. Yeah, LA BB, who we running with? Yeah, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Oh, I'm running. Coming in, yeah, flex, I just wanna win. Yeah, LA BB, who we running with? Yeah, 2, 2, 3, 3, I'm on 10, yeah. Just a young child, gave you 25 to life, all these years gone by, and you never asked why. All you did was pray to God, all you did was make your time. Now you about to come home, and I'm about to have a child. It's gonna be worthwhile, it's gonna be worthwhile. From the nights I cried, now we at the finish line. It's only 21, with a son on the run, no. You was living in the jungle, got charged for a murder and some and a gun, no. You was moving like Rumble. Like a champ, never rumble. You was on the wrong path, you was wrong, bro. You ain't never let it break you, stay humble. Yeah.
le jour où la vidéo va sortir. J'ai pas énormément filmé mes réactions à chaud le jour du roulage parce que j'étais surtout en train d'essayer de faire plus ou moins une plage de réglage un peu différente sur mes suspensions. Du coup, il y a eu des modifs sur mes suspensions faites par Mika de Souza de chez M2S Performance. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui a énormément de sensations, donc j'ai vraiment essayé de me concentrer là-dessus. Et j'ai également testé mes cale-pieds AMX711 Specs qui sont du coup de la top qualité. C'est basé en République Tchèque, ça a été testé par les pilotes là-bas, donc il n'y a pas de souci là-bas. Pour ce qui est de l'envoi, moi ils me l'ont envoyé en moins d'une semaine, donc c'était vraiment cool. Et vous pouvez commander directement sur leur site internet et je pense même que vous pouvez sur leur compte Instagram. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez payer en euros, vous pouvez traduire le site en anglais. Donc c'est un peu plus compliqué pour ceux qui n'ont pas du coup de base en anglais. Mais ça reste très très facile d'accès et ils sauront vous envoyer très rapidement vos cale-pieds et vous en serez très content. Et pour ce qui est des suspensions que Mika M2S Performance m'a préparé, je suis pas quelqu'un qui est très très chiant au niveau des réglages. J'ai même pas tendance à sentir, comme j'ai dit, quand on met deux clics à l'avant ou à l'arrière, ceci, cela. Donc ça peut être cool, mais ça peut aussi être un inconvénient quand il s'agit de changer de terrain, etc. Donc là, j'ai essayé peaufiner comme je pouvais. On va essayer de refaire un autre sitting pour que je me sente encore un peu plus à l'aise. On va essayer de changer 2-3 trucs. Et puis, on va aller faire une journée testing avec lui pour essayer avec d'autres suspensions, avec d'autres sittings, etc. Donc, c'est vraiment cool. Du coup, si vous aussi, vous voulez faire partie de la M2S Family, n'hésitez pas à contacter Mika de Souza sur son compte Instagram que je mettrai juste ici ou un des deux côtés. Il saura répondre à vos attentes. C'est quelqu'un qui est très gentil, comme je vous l'avais dit, je vous avais déjà fait une vidéo sur lui, il a du très très bon matériel, il sait ce qu'il fait. Certes, il a très peu d'expérience, mais il a déjà des très très bons retours. On peut voir d'ailleurs par les résultats qu'il a pu avoir en championnat de Normandie avec les pilotes pour qui il a préparé des suspensions. Ils en sont tous très contents et ils vont tous continuer avec lui, donc c'est vraiment cool. Moi aussi, je suis très content du travail qu'il a déjà fait et on va continuer à peaufiner les réglages et pour être mieux sur la moto, donc c'est vraiment cool. Et voilà, n'hésitez pas, il y a toujours le code promo VQ10 qui est toujours actif chez lui. Et voilà, il saura répondre à vos attentes, comme je vous ai dit, c'est vraiment cool de sa part. Et pour ce qui est du roulage en lui-même, comme vous avez pu voir, je me suis senti déjà beaucoup plus à l'aise que les premiers roulages. Forcément, je prends un peu plus d'assurance, j'arrive à faire des choses que je faisais déjà auparavant, donc c'est vraiment bien. Maintenant, il va falloir bosser cet hiver pour se sentir encore de plus en plus à l'aise sur la moto. Aller de plus en plus vite et puis bosser physiquement, etc. pour pouvoir être prêt pour la saison prochaine. Je pense que je vous ferai une petite vidéo sur mes objectifs pour l'année prochaine. C'est pas vraiment flou sur mes championnats, je sais plus ou moins ce que je vais faire. Mais on verra comment je me sens en début de saison, si je peux faire toutes les courses, si j'ai pas des courses qui se chevauchent au niveau des championnats, etc. Donc voilà, et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter et à la partager. Et puis voilà, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Et voilà, on se laisse là-dessus.